Eh bien, yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va super. Donc dans cette vidéo, avant toute chose, les amis, on s'abonne, vous êtes 80% des personnes à regarder cette vidéo et à ne pas être abonné à la chaîne. Donc s'il vous plaît, lâchez un petit abonnement, c'est gratuit, avec un petit like et pourquoi pas le petit commentaire. Donc les amis, dans cette vidéo, on va faire du rock avec les potes. Donc encore merci à Lauriac et Robin d'avoir participé à cette vidéo et à Lauriac d'avoir vendu ses minerais pour que je prenne un petit peu moins de temps pour le farm. Mais du coup, voilà, on va faire un petit peu de farm en rock. Comme vous avez pu le voir, vous allez le voir dans la vidéo, on est en live au même moment, pardon. Donc voilà, c'était pas fameux pour vous expliquer tout de A à Z, même si je vais vous le faire maintenant. Pour l'explication tout court, il y avait donc pour sortir le rock, pour l'acheter, pardon, pour l'acheter à leur ville, vous pouvez le sortir sur les pads, sur les planètes. Donc jusque-là, c'est bon. Pour déployer le bras pour miner, c'est point d'interrogation. Faut laisser le temps au rock de scan la pierre. Et après, vous pouvez allumer le laser pour miner. Et faire alt plus la molette pour gérer la puissance du laser. Une fois que votre caillou sera pété, donc forcément, il faut aller dans la zone verte et qu'elle soit remplie au maximum. Et une fois le caillou pété, vous faites clic droit et clic gauche pour pouvoir aspirer les cailloux qui rentrent dans le rock. Donc maintenant, vous allez voir à peu près comment j'ai fait dans la vidéo. Je l'explique aussi un petit peu comment ça s'est déroulé. Mais donc voilà, entre guillemets, c'était en plus un tournage assez compliqué parce que moi j'étais en freelancer au début, il y a eu du fight, enfin c'était un peu la merde. Donc en tout cas, j'espère que vous kifferez. Donc les amis aussi, n'oubliez pas que dans la description, il y a deux Discord. Le Discord communautaire, donc la communauté de NG86, donc la communauté de la chaîne YouTube. Pour ceux que ça intéresse de rejoindre une petite communauté, n'hésitez pas à rejoindre notre Discord. Vous êtes les bienvenus. Donc deuxième Discord, du coup, c'est le Discord de la corporation. Donc le Discord où tous les nouveaux joueurs, ou les anciens, les vétérans, que ce soit vous soyez solo ou un groupe, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Là, on recrute. On recrute tout style de personnes et tout style de joueurs au sein de Star Citizen. Du moment que vous êtes français ou francophone, vous serez les bienvenus. Donc, n'hésitez pas à venir postuler. Hein, voilà, on vous attend avec impatience. Et pour les nouveaux comptes RSI, n'oubliez pas de mettre mon code de parrainage qui est dans la description. Un grand merci à tous ceux qui feront à la création de leur compte. Ça fait extrêmement plaisir de voir qu'on progresse avec cette petite chaîne YouTube. Donc voilà, et n'oubliez surtout pas aussi, je suis en live sur Twitch assez fréquemment. Donc c'est quasiment tous les soirs, on va dire entre guillemets, je suis en live sur Twitch. Donc n'hésitez vraiment pas à venir nous faire un petit coup en live, ça fera extrêmement plaisir. Merci à tous ceux qui le feront et bonne vidéo à vous. Hop. Chaud. Je vais récupérer mon... Ouais, c'est bon, tu peux recommencer. Mon rock. Après moult et moult péripéties. Non, bah oui. Dans une minute, il spawn. Il est encore fait. Il est dangereux dans peu importe ce qu'il écoute. Le minage, gros, normalement. Venu, gros. Non, mais non, le minage, normalement, c'est un truc où t'es censé. Hein? Attends, mais. Ouais, oui, j'ai vu du bruit. Ouais, mais. Ouais, mais what? Ah, bah, nos potes sont de retour. Qui? À ton avis, lesquels? Avec le FUT et tout, là? Ah ouais? Ouais, c'est... Il a marqué dans le chat SCDA. Enfin, tout à l'heure. Bon, bah, je crois que tu vas pas faire ta vidéo aujourd'hui, hein. Son pote, il vient de se cracher comme une merde avec son CA. Lol. Bon, bah, je fais plus de TD, hein. Ouais, bah c'est pas grave, je ramasse ce que je peux là. Ah bah il avance plus non. Ah, t'avances plus non plus? Je crois qu'il est vraiment HS là.
Alors, il veut plus avancer. Putain, mais ils ont, comment ils ont fait pour mettre mon corps sur le côté, ces enculés. L'autre avec son C2, ouais. Il s'écrache en plus, quelle grosse merde. Tu peux récupérer mes trucs? Ouais, vas-y, viens, rapproche-toi de mon vaisseau. Ah non bah, non, je peux plus. Attends. Je sais pas, je peux au moins... Ah, si je peux descendre, ouais, je peux au moins descendre. Ouais, je peux descendre. Bon, moi, je sais comment ça marche. Ah, en fait, c'est un groupe, ils sont... Ils sont trois dans leur groupe, là, et... Ah. Ouais, oui, je suis supposé ça. Non. Ah, c'est là que tu récupères, ok. Ouais, c'est bon, j'ai récupéré. Ah, il y a bien les fuites, hein, ils sont de F7 et les fuites. On est 91. Cadeau. Merci. Oh, mais tu sais quoi? Attends, tu sais quoi? Tac. Déjà, après, moult et moult péripéties, parce qu'on a passé des moult péripéties, pardon. Je vais pouvoir enfin charger mon rock. Et du coup, après, dans les entrepôts, ça s'achète Je sais pas où c'est. Peut-être par là. Cargo service. Dans l'entrepôt. Et normalement, t'as un truc okay. Là où t'achètes les boissons, les trucs dans le genre. Ouais, ok. Alors. Hop. Sacoche de minerai. Non, c'est pas pour ça. Non, non, c'est conteneur tout en bas. Utilitaire, conteneur. 8 SCU. Je crois que c'est énorme, 8 SCU, mais c'est pas grave. Oui, tu ah oui, 16 000. Tu peux en prendre une de SCU si tu veux. Non, c'est bon. Une de SCU, ça devrait le faire en vrai, hein, parce que c'est pas 1000. Ouais, c'est pas même pas 1000, donc tu peux prendre une de SCU. Du coup, après, tu la prends comment la caisse dans ton vaisseau? Alors là, elle est dans ton entrepôt normalement. Enfin, dans ton. Ouais, ouais. Dans ton local. Je la mets juste comme ça par terre, quoi, à côté du vaisseau. Et non, non, faut juste que tu montes dans ton vaisseau. Ouais. Et tu la mets dans ta soute à l'arrière, tu la glisses à la soute. D'accord, ok. Pas de soucis. Vas-y, bah j'ai recherché le vaisseau. Je fais ça. T'as combien de crise de stats en haut? 3. Ich. On se sait. Parce qu'il m'a tapé dans mon vaisseau, mais 3 crise de stats pour ça, ça me paraît un peu. Surtout qu'il est même pas détruit. Non mais tu devais peut-être en avoir avant, non? Non, non mais... Avait, hein. Même pas. Un 3... Corsair, hangar 5, il part rangé. C'est abusé quand même. De ouf. Moi j'ai un crime stat 2 parce que j'ai tué des vaisseaux à rappel tout à l'heure, mais pas 3. J'en ai tué 3 des vaisseaux. T'en appuies sur table. Attends, tu trouves les minerais, hein. Tu sais que tu faisais ton scan avec table, on est d'accord, hein. Appuyez sur table pour faire son scan. Ouais. Ouais, oui, bien sûr. Et ton pourcentage de ton scan était à 0. Oui. Ok, on est d'accord. C'est pour être sûr. Au début, j'étais à 50 et ça marchait moins bien. Parce que je pense que c'était trop trop centré, tu vois. Comme scan. J'étais à entre 700 et 1 km d'altitude. En gros. Oui, de toute façon, peu importe. Là. Faut pas que ça trop. Alors, la caisse. Bon. Tac. Ah ouais. Il est vraiment bien. On trouve rapidement. Ah, la pop ou la caisse. Ah, elle est dehors. Et du coup, je peux pas la prendre. Attends. On va la remettre. Vas-y. Voilà, toi. C'est énorme, en fait. Oh, attends. Comment on fait? Hop, point d'interrogation, c'est toujours c'est bon, ça m'a changé. Ouais. Point d'interrogation, là on laisse le scan en cours. On voit la masse, la résistance. 91% de aphlorite. Ouais, c'est pas mal. Ouais, hop. Ah, toi t'as trouvé de l'aphlorite, bah tiens. Le truc qui se voit pas, c'est.
Ou alors très mal. T'as trouvé cacaillou en plus. Tout à l'heure avec Rocro, j'en ai trouvé au moins de la danite. Bah avant de me faire. Caillou. Avant de me faire attaquer par un pirate, gros, oui, j'avais trouvé 10 cailloux. Et du coup, j'ai fait 190 000. Bon, ça va, il y a pire en vrai. Hein. Bien ouais, pire. T'as fait une petite heure de 9. Ouais. 190 000, t'as gagné. Ouais, sans avoir vendu le reste là, des 100 autres cailloux là, mais je sais pas si je vais les vendre. Ça va encore. C'est 60 000 pour 160. Ok. Moi je trouve que c'est. Ouais, d'optimiser. J'adore le minage en rock, c'est une dinguerie. Ah, moi j'aime bien aussi. Je crois que je vais m'acheter un prospecteur là dans peu de temps là. Ah, j'en ai un. Si tu veux, je peux te prêter. Non, c'est pas possible. Ça va pas être possible. Parce qu'en fait, si tu veux, si tu me le prêtes. Il va faire même pour toi quoi. Ah oui, c'est vrai. Non, c'est pas ça, c'est que genre si je prends du quantanium, je suis obligé d'aller vite le. Ouais, c'est sûr. Le raffiner. Du coup, je peux pas si t'es pas là, tu vois. Donc c'est chiant. Ouais, j'aimerais bien. Il coûte pas cher le prospector, je vais l'acheter. Hop, orange le grand, on fait pas le con avec la coordination. C'est trop bien qu'il change le système là, pour expliquer. Ah, où tu peux pas passer des vaisseaux et tout, tu peux vendre, ok, ouais, bah... Si on est en groupe. Et d'ailleurs, tu sais que quand tu vends, donc je l'ai fait dans la vidéo, faut que toutes tes... Ah, mais t'avais un de nanani. Faut que toutes tes trucs soient dans le vaisseau, pas dans la caisse. Pourquoi ? Toutes tes pierres. Ah, il faut qu'ils soient, ok, d'accord, pas dans la caisse, ah. Ok. Ouais, dans le salvage. Faut qu'il soit dans le vaisseau même. J'ai vu ça hier. J'ai galéré 20 minutes. J'ai trouvé après la solution. Hop, j'ai mis une autre couleur sur mon corsaire. J'ai pris la jaune.
Ah, t'as réussi à trouver du PVP? Non, 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 non. Pas chercher, à vrai dire. Quand t'es en train de regarder le stream. Exactement. En mode épouse. J'ai ressorti le corsaire juste pour aller voir la couleur, là. La peinture. J'ai pris la jaune et noire aussi, là, de peinture du corsaire. Oh, j'aime pas le jaune de base, mais... Et bon, la bleue est l'insane. Ouais, la Best in Show. 850 pierres. Ça va faire quoi? Ça va 200 et des brouettes 1000. Un peu plus, là, du coup. Hein. Non, quoi. Ouais. Genre 230 000. Elle est belle, la roule. Ouais, elle est belle. Donc, alors, les amis, on se retrouve tout seul, parce que fallait que je vous montre ça. Donc, pourquoi je vous montre ça? Parce qu'en fait, la forite peut se vendre, d'accord? Mais faut que vous fassiez ça là, faut vous les séparer en fait en plusieurs, plusieurs, comment dire, faut que ça soit, en fait, faut que ça soit split et que ce soit que du 1-1-1, vous pourrez tout vendre d'un coup, hein, vous inquiétez pas. Mais il faut que tout ça soit séparé en fait. C'est le problème que a la forite. Donc merci à Scar de m'avoir donné la strat. Donc je vais voir si ça fonctionne bien entendu avec vous ici. Voilà, c'est que ça me coûte rien de vous le montrer quand même au cas où. Et si ça fonctionne, tant mieux. Si ça fonctionne pas, tant pis. Je voulais remercier aussi Roro qui m'a aidé pour débloquer mon corsaire que vous avez pu voir tout à l'heure. Et Olreac, pardon. Hop là, j'étais en train de bugger pour... ce que je voyais à droite. Donc merci à eux, un grand merci surtout à Lauriac qui m'a donné ses vendu ses minerais pour que je puisse vous présenter la vidéo du rock. Donc comme vous pouvez le voir, c'est beaucoup plus rock quand même que sur le minage à main nue. Voilà, c'est même beaucoup plus chill. Ça m'est arrivé plusieurs fois, comme je vous l'ai déjà dit précédemment, de passer des soirées 3-4 heures à être à fond là-dessus et va faire des quelques milliers d'euros. Je crois que j'ai réussi d'euros, pardon. Je crois que j'ai réussi à atteindre le million même avec tout des caisses remplies. Tout simplement, quand vous restez très longtemps sur le truc, vous pouvez faire des milliers, des milliers, des milliers. Là, normalement, on devrait en tirer pour quelques AIEC. Je pense qu'on doit pas être au moins des 300 000 en tout cas. Ou voilà, on les atteint. Pour à peine même pas une heure de farm. Hein. Donc en vrai c'est plutôt assez worse. On va dire pendant que vous chillez ou quoi, c'est un truc assez tranquille. Sauf quand vous tombez sur des pirates qui vous cassent les couilles. Mais c'est rare qu'on vous trouve des pirates si vous approchez pas des zones peuplées comme les Shubing, Mening, les trucs dans le genre. Donc voilà. Donc comme je vous l'ai certainement dit dans l'intro de la vidéo, c'est pas une vidéo, c'est une vidéo plutôt entre guillemets, mais c'est plus pour se remémorer, faire une review en fait de ce qu'est le minage en rock, d'accord. C'est pour ça que vous m'entendez pas toujours parler à la vidéo, voire pas du tout parler à la vidéo. Là. Hop. Donc oui, c'est pour ça que vous m'entendez. Putain, c'est rouvert, tu l'as claqué. Donc vous m'entendez très peu parler au truc, mais si vous voulez je vous le dise, donc le rock ça se trouve sur les Shubing, vous pouvez l'acheter à leur ville. Puis ça normalement je vous l'ai dit en début de vidéo, mais je sais qu'il y en a pas beaucoup qui regardent le début de vidéo ou même la fin de vidéo, donc je préfère le caler au début et à la fin, comme ça vous le saurez. Il est achetable un peu partout, mais moi je vous dis je l'achète à leur ville, je l'achète encore à leur ville. Vous les avez sur les tout ce qui est Shubing, HDMS, des trucs dans le genre, enfin les pads sur les planètes. Vous le sortez là-bas. Sortir le bras pour miner, c'est point d'interrogation. D'accord? Donc pour le sortir. Et pour miner, donc c'est con, je vous dis ça maintenant, mais même si je voulais dire bon, avant, comme je vous dis, c'est bête parce que bon, c'est quand même la fin de la vidéo. Pour miner, bah c'est de base. Pour augmenter la puissance et la diminuer, c'est Alt avec la molette. Vous jouez, d'accord. En règle générale, vous prenez tout ce qu'il y a, hein, parce que c'est pas non plus comme s'il y en avait des masses non plus, donc vous prenez tout ce qu'il y a comme minerai. Et pour ramasser les minerais comme avec le multi-tool, du coup, au lieu de faire B, c'est clic droit.
Voilà, c'est comme ça au moins. Vous le savez, les amis. Donc écoutez, les amis, on se retrouve tout de suite à l'admin pour vendre au TDD plutôt. Voilà, les amis. Donc, les amis, nous voici à la vente. Donc, on va commencer à vendre le Corsair. Bon, du coup, à Danit, on est à 137 000. Un peu moins que ce que je pensais, malheureusement. Plus 96 000, je crois. Hop. Donc là-bas, on s'était quand même un petit... quasiment un peu plus de 200 000. Et là, voyons voir, est-ce que la forite va fonctionner? C'est la vraie question. Après, pour 14 000, j'avoue que ça fait chier, quoi. Donc là, ça fonctionnait. Donc pourquoi il y a encore un lag? Ah oui, c'est parce qu'il y a encore la caisse et le rock. Est-ce que dans le rock, il y a quelque chose d'ailleurs? On peut vendre à partir du rock. Vous voyez, petite info. Il y a quoi d'autre là qui... Horizon? Non, j'ai rien à vendre. Ok. Donc vous voyez, la forite, du coup, on peut vendre la forite. Donc c'est une bonne nouvelle. Voilà, on a trouvé la solution. Donc un grand merci à Scarlito qui nous a donné la solution. Qui a certainement dû voir la vidéo, la galère que j'étais. Donc voilà, on est un peu moins de 300 000. Donc bon, c'est décevant parce que je pensais avoir 300 000. Mais on s'y attendait aussi un peu. Et en soi, ça reste quelque chose de bien parce que moi j'ai à peine miné une demi-heure. Et j'ai racheté, comme je vous l'ai dit, les minerais à l'oreille. Donc c'est quand même assez rentable. Assez rentable, on va dire, pour une économie où tu n'en branles pas une et c'est ultra chill et tu risques rien. Rentable, attention, il y a le rentable et le rentable. Ce qu'on fait encore en Reclaimer ou les ERT, c'est plus que rentable. Hein. C'est un truc encore qui n'est pas patch, qui va être patch d'ici très peu de temps, je pense. Encore, même s'ils ont déjà nerf, ils vont re-nerf parce qu'on fait quand même des millions assez rapidement. Donc voilà, les amis. Donc faut faire la différence entre les deux. Donc en tout cas, j'espère que vous aurez kiffé cette vidéo. N'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne YouTube, hein. On vise les 1000 abonnés pour le premier palier. Donc un grand merci à tous ceux qui le feront. N'oubliez pas de lâcher votre petit com, un petit pouce bleu, et on se retrouve dans une prochaine vidéo, les amis. Ciao tout le monde.